Chers amis, je salue l'arrivée de M. Bianco, que je remercie d'être venu animer ce dîner-débat. Vraiment, merci. Pour avoir la parole, puisque tout le monde l'aura. Voilà. Alors, c'est totalement inutile. Par contre, dernière objurgation, l'habituelle. Ne recommencez pas une autre conférence. Alors, questions et remarques. Mais bref, de manière à ce que tout le monde ait la parole. La cessation des hostilités est prévue à 11h. GMT. Bon appétit. En 70, vous savez, il y avait un certain nombre de réunions. Si vous faites Google. Alors voilà, c'est ensuite, alors que j'étais au Conseil économique et social, et que en tant que tel, Dieu sait, c'est pas une astuce, si le sujet est important et est brûlant, la laïcité. La laïcité est qui plus est, connaissant Jean-Louis Bianco, la laïcité telle que l'entendent les Français. Alors cela n'est pas évident et c'est un véritable boulot. Je lui cède la parole. Merci. Merci de votre... C'est trop fort, hein. Merci de votre invitation, c'est bon, là? Encore trop. Là, ça va mieux? Un peu plus haut? Comme... À la formule, il est épuisé provisoirement, c'est-à-dire ce soir. Je vous remercie et adieu, vat. Voilà, vat. Yahweh, alors, nous avons débattu de cette question qui est profonde et sur laquelle est basée la République, notre République. C'est l'un des fondements de notre République, si ce n'est le fondement de notre République. Alors, je n'ai plus rien d'autre à dire, car il n'y a plus qu'à réfléchir à cette question et la mettre en œuvre. Merci à Jean-Louis Bianco, merci du fond du cœur, merci. Au prochain rendez-vous. Merci bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et comme c'est le Créteil, ouais, yeah. C'est ça, genre. C'est aussi un conflit Créteil, exact.